Bonjour à tous les amis, je suis vraiment très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc pour un tarot qui est sorti le 16 mai, si je ne dis pas de bêtises. C'est un jeu que je n'avais pas vu dans la librairie où j'achète et que j'ai vu une review sur YouTube et je l'ai trouvé magnifique. Un vrai coup de cœur, ça a été mon coup de cœur du mois avec les sœurs sorcières. Et puis, ouais, j'aime bien aussi Secret de sorcière. Mais avec la série de jeux de Gabriel Sanchez, les sœurs sorcières et celui-là, ça a été un coup de cœur. Et j'aime bien aussi l'oracle Citadelle. Mais ce jeu-là, c'est vraiment... Il fait partie d'un coup de cœur avec les sœurs sorcières. Je pense que même si j'aime bien les autres, la Citadelle, Gabriel Sanchez, tout ça, mais je pense que j'ai quand même un coup de cœur sur les deux que je vous ai dit. Donc, vous voyez comment il est beau. Il est de sa chagrin à âme, illustré par Natassa. Alors, oh là! Il l'incite. Alors, je ne sais pas si j'écorche son nom. Je suis désolée pour elle si je dis mal le nom et le prénom. Là, tu sais, ça paraît évident. Mais là, oui, il ainsi, je ne sais pas. Oh, la boîte est magnifique. Elle est très, très costaud. Très, très costaud. C'est alors aux éditions Vega. Donc, très Daniel. Magnifique. Alors, voici quelques exemples de cartes. 236 pages et 78 cartes au prix de 29,90 €. Magie et manifestation vous attendent dans le jardin de la sorcière. Déjà, je trouve ça joli comme phrase. Grâce à ce tarot Wider White Smith et aux magnifiques aquarelles qui habillent ces 78 cartes. Oh là, ma caméra est un peu floue. Découvrez toute la magie, la vitalité et les énergies qui inondent le jardin de la sorcière. Avec le livre explicatif, laissez-vous guider à travers un univers doux et luxuriant, composé d'images symboliques. Cultivez votre intuition, laissez vibrer votre imagination, écoutez tous les enseignements. Ouvrez-vous aux possibilités et relevez les défis qui s'offrent à vous tout au long de votre pratique. Le tarot du jardin de la sorcière est la clé qui vous ouvre les portes d'un sanctuaire secret où vous libérez la puissante magie qui sommeille en vous. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ma caméra est floue de temps en temps. C'est bizarre. Bon. Alors, on va l'ouvrir. Alors regardez dedans, il y a des libellules, des lunes, très très gros coffret. Voici le bouquin, il est un gros livre. Là, nous avons les cartes qu'on verra tout à l'heure dans un pochon satiné or, mais plus joli que les pochons habituellement. Je trouve que, je sais pas. Le style d'or comme ça est beaucoup plus beau que ceux d'habitude. Vraiment. Et donc là, on a tout un tas de dessins, des libellules, des lunes, des vagues, des petites végétations, chauves-souris. Ouais, c'est très très beau. J'aime beaucoup regarder ce bouquin. Waouh, c'est magnifique. Il est magnifique. Alors, on va commencer par le commencement. Regardez, tout en couleur, comme vous avez pu le constater tout de suite. Voilà. La magie est partout, dans les feuilles et dans les arbres, dans les fleurs et chez les oiseaux, chez les blaireaux et les renards et les écureuils, et aussi chez les humains.
Il y en a tout autour de nous, dans ce jardin et dans le monde entier. Franz Hodgson, Burnett, le jardin secret. Nous avons un sommaire avec une introduction des règles de la magie du jardin. Alors, il y a quatre parties. La partie préparer le sol. Après, la partie planter les graines. La partie 3, cultiver la profondeur et le sens. Et la partie 4, récolter la magie. Donc, nous avons une introduction, règles de la magie du jardin. Et dans la partie 1, préparer le sol, nous avons la manipulation et entretien des cartes. Il y a carrément un grimoire du tarot. Base du tirage du tarot. Lire le tarot immédiatement. Pratique quotidienne. Dans la partie 2, planter les graines, on nous parle des arcanes majeures, des arcanes mineures, des tarots et astrologie, du tarot et numérologie, couleurs clandestines, voyage méditatif. Ensuite, dans la troisième partie, cultiver la profondeur et le sens, il y a toutes les arcanes majeures, les arcanes mineures, toutes les suites. Et enfin, dans la partie 4, récolter la magie, nous avons des tirages. Déjà, il nous explique étape pour jeter des sorts. Et après, nous avons tous les noms des tirages. Amour et romance, maison et jardin, famille et ancêtres, cœur et santé, moment de transition et vie antérieure, chemin de vie, évolution de l'âme, rêve et communication avec les esprits, présages et signes, conclusion, biographie. Donc, l'introduction que je vous parlais, comment utiliser ses secrets. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Règles de la magie du jardin. Tout est énergie, la nature parle si vous l'écoutez. Dégagez l'espace et fixez des limites. Soyez présent et mettez du cœur à l'ouvrage. Plantez les graines du désir, cultivez-les au moment opportun. Alors, nous avons dans la partie 1, préparer le sol. Donc, il y a manipulation et entretien des cartes. Grimoire du tarot. Base du tirage du tarot. Lire le tarot immédiatement. Pratique quotidienne. Enfin, dans la partie 2, planter les graines. Et c'est là qu'on nous parle des arcanes majeures, des arcanes mineures. Des suites, tout ça. L'astrologie, tarot, numérologie, couleurs clandestines, oui, clandestines, je dis pas de bêtises. Voyage méditatif. Partie 3, cultiver la profondeur et le sens. Et ensuite, nous passons aux arcanes majeurs. Et regardez, carte pleine page, magnifique. Alors, voilà comment que ça se présente. On a une signification, une interprétation à l'endroit, une interprétation à l'envers. Et donc après, comme ça, pour toutes les cartes, vous voyez comme il est beau. Je ne vais pas vous spoiler puisqu'on va regarder les cartes, mais voilà que c'est très, très, très beau. Il est magnifique. Je voudrais voir comment que c'est présenté les arcanes mineures. À mon avis, ça doit être pareil. Ouais. Il est magnifique. Waouh, j'adore. Alors, la partie 4, parce que la partie 3, ça commençait au niveau des arcanes majeures, je crois. Oui, c'est ça, la partie 3 commençait là. Alors, partie 4, récolter la magie, et là, étape pour jeter des sorts. Rédigez votre intention magique, rassemblez les objets correspondants,
Réfléchissez au moment opportun, procédez à un nettoyage, visualisation, exprimez votre gratitude, libérez, ayez confiance. Ils expliquent comment jeter un sort. Ensuite, nous avons des tirages sur amour et romance. Donc, la une, connexion magique dans l'éternité. La deux, mon cœur. La trois, son cœur. Après, nous avons un tirage en six cartes. La une, la force. La deux, le défi. La trois, qu'est-ce qui l'attire vers moi? La quatre, qu'est-ce qui m'attire vers cette personne? La cinq, comment renforcer le lien? Et la 6, prévision à long terme. Après, nous avons un sortilège avec des ingrédients. Sortilège pour une relation amoureuse, pour provoquer et renforcer l'amour érotique. Très original. Alors, le tirage maison et jardin, enfin les tirages. Nous avons le tirage du jardin de la sorcière en 5 cartes. Donc, petit une, quelle intention dois-je planter? C'est très bien dit. Petit deux, comment puis-je cultiver la magie intérieure? Petit trois, quelle direction soufflent les vents favorables? Petit quatre, quels sont les défis à déraciner? Et petit cinq, l'aide invisible qui m'assiste. Après, nous avons un tirage financier à quatre cartes. Quelles ont été les erreurs financières du passé? 2. Qu'est-ce qui doit changer? 3. Comment puis-je me donner les moyens d'agir? Et 4. Le nouveau plan financier devrait inclure. On a encore un sortilège pour la maison de mes rêves. Après, nous avons les tirages famille et ancêtres. 4 cartes. Tirage du foyer heureux. Quelle est l'énergie qui m'entoure? Comment puis-je l'améliorer? Sur quoi puis-je lâcher prise? Quelle est la solution cachée? Ensuite, nous avons sagesse ancestrale. Qui est avec en 5 cartes? Qui est avec moi? Que peux-tu m'enseigner? Comment puis-je t'honorer? Quel est mon chemin de guérison? Comment puis-je terminer ce que tu as commencé? Toujours un sortilège de la fée marraine avec des ingrédients. Alors, nous avons cœur et santé. Tirage de l'amour en 5 cartes. Quelle est la véritable nature de mon cœur? Comment puis-je m'ouvrir à l'amour? Comment puis-je devenir vulnérable? Comment puis-je être forte? Comment puis-je être en accord avec mon cœur? Ensuite, le tirage de la santé en 5 cartes. Quel est mon état de santé? De quoi ai-je davantage besoin? De quoi ai-je moins besoin? Comment puis-je guérir? Comment puis-je m'épanouir? Il y a beaucoup, beaucoup de tirages, encore un sortilège pour une bonne nuit de sommeil. Alors, nous avons les tirages moment de transition et vie antérieure en 5 cartes. Le tirage des transitions de la vie. De quelle transition s'agit-il? Comment puis-je rester dans le moment présent? De quelle manière est-ce que je prends soin de moi? Que faut-il accepter? Que dois-je libérer? Tirage en 3 cartes des vies antérieures. Qui étais-je dans ma vie antérieure? Quel était mon défi? Quelle est la leçon à tirer de cette vie? Encore un petit sortilège pour le mois futur. Ensuite, ah, il y en a beaucoup quand même. Waouh! Alors, ensuite, les tirages chemin de vie et évolution de l'âme. Nous avons en quatre cartes le tirage des choix de vie. Que dois-je savoir? Que dois-je oublier? Que dois-je faire? Que devrais-je faire? Qu'est-ce que je ne devrais pas faire? Après, le tirage de l'âme sacrée en 5 cartes. Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce qui nourrit mon âme? Comment puis-je prendre au mieux soin de mon âme? Qu'est-ce qui essaie d'émerger? Quelle est la meilleure manière d'honorer qui je suis? Ensuite, encore un sortilège de l'allée du jardin. Nous avons rêve et communication avec les esprits. En 3 cartes, le tirage du travail des rêves. Quelle est la sagesse de ce rêve? Quel est mon inconscient? Qu'est-ce que mon inconscient veut montrer? Que suis-je censé apprendre? Ensuite, trois cartes. Rencontrer mon guide spirituel. Qui es-tu? Comment pouvons-nous travailler ensemble? Que vois-tu en moi que je ne vois pas moi-même? Et enfin, nous avons les derniers tirages. Sortilège pour éloigner un fantôme. Alors, les tirages présages et signes en 5 cartes.
Quelle est l'énergie tirage des présages? Quelle énergie m'entoure? Quelle vérité cachée est à présent révélée? Quel ajustement puis-je faire? Comment puis-je me faire plaisir? Comment puis-je me protéger? Et enfin, nous avons le tirage de la destinée, aussi là en six cartes. Où vais-je aller? Comment puis-je y arriver? Que puis-je changer? Que puis-je libérer? Qu'est-ce qui échappe à mon contrôle? Sur quoi puis-je compter? Il y a beaucoup de. Et encore un sortilège pour développer les facultés psychiques. Une conclusion. Alors, un petit mot sur l'auteur, un petit mot sur l'illustratrice. Et voilà, magnifique. Vous allez voir, les cartes sont magnifiques. Avec ce penchant que je trouve d'un doré éclatant. Alors, les cartes ont un fini linol. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, vous voyez. Vous voyez la matière des cartes. Alors, je ne vais pas vous lire le nom à chaque fois pour que vous profitiez pleinement des images. Vous allez voir, il est splendide. Magnifique. Je trouve la suite de coupes très belle. J'ai hâte d'en tirer une. J'espère que ma présentation vous plaît. Moi, j'adore vous présenter mes jeux. Ça me fait vraiment plaisir. Là, nous sommes, si je dis pas de bêtises, le 18. Et le 20, il y a des nouveaux jeux qui vont sortir. Comme l'oracle des connexions spirituelles, si je dis pas de bêtises.
Il y en a qui sont sortis, qui auraient pu être pas mal, mais moi j'aime pas quand ils sont petits. Les 14 cm, c'est pas trop mon truc. Je préfère que ce soit un jeu avec un coffret de 17 cm. Mais après, s'il y a un petit qui est vraiment très très beau, pourquoi pas aussi? Sont magnifiques. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve vraiment magnifiques. J'espère que ma présentation va vous plaire et que si vous connaissez pas ce jeu, au moins je vous le fais découvrir. Ça me fait très plaisir. Waouh. Ah, le fou. Bon, eh ben, il va falloir mélanger les cartes. Elles sont magnifiques, vraiment magnifiques. J'aimerais bien vous tirer une arcane majeure et une arcane mineure, si possible. Moi, je regardais parce qu'en fait, il présente le jeu, d'abord les arcanes majeures, après la suite des mineurs et les cartes de cour sont juste après en fait. Les cartes de cour. Donc, je vais mélanger deux tas. D'abord, les arcanes majeures. Donc, j'ai bien les 20. Que j'ai bien les 22, j'espère. Avec le fou, ça fait 22. Voilà. Bon, on va prendre celle-là. Oula. Le pendu. Et il était à l'envers. Bon. On va tirer une carte dans les mineurs. Voilà, on va prendre la reine de coupe. Bon, et eh ben on va voir l'interprétation que va nous donner ces cartes. Alors, on va commencer par le pendu 12. Alors, donc, nous avons une pause. Mousse espagnole, arbre des yeux. La réponse est juste devant mes yeux. Ralentissez le pas, trouvez votre grâce. Vous démêlerez le temps et l'espace. Vous foulez la terre molle le long de la rivière, de la roue, de fortune. Le cours d'eau s'élargit et se jette dans l'embouchure d'un grand fleuve. L'eau du fleuve est profonde, sombre et le lieu est recouvert de mousse espagnole. Une silhouette est suspendue à un sol pleureur. C'est le pendu. La sagesse du sol transmet de nombreux enseignements à la pendue.
Elle se projette dans l'énergie de l'arbre et apprend à faire pénétrer les racines de son âme dans la terre profonde et féconde, tout en tendant la main vers le haut et l'extérieur. Un porc-épic est assis près d'elle. Ses piquants ont l'air doux comme de la fourrure, bien qu'ils soient acérés et qu'ils les protègent tous les deux. Le secret est de la pendue et l'immanence. Le fait d'être suspendu lui permet de se concentrer pleinement sur le cœur. Oui, j'ai un problème de batterie. De qui l'entoure. Elle voit au-delà de l'apparence d'une personne, d'un lieu ou d'une chose et elle en pénètre l'essence. Ce faisant, elle aperçoit des étincelles divines dans tout ce qui l'entoure. Le monde vibre d'une pulsion de magie effervescente. Rien n'est tel qu'il apparaît en surface. C'est la transcendance. Alors moi, je l'ai eu à l'envers, mais je vais quand même vous la lire à l'endroit. À l'endroit, ça donne changement de perspective, attendre, regarder en profondeur au cœur du mystère, yoga et introspection, mystique et artiste, mystère divin et changement profond dans la façon de voir le monde. À l'envers, étonnement, mouvement et seconde vue, recevoir une transfusion énergétique, inverser la carte de la pendue est aussi puissante qu'à l'endroit. Pour rectifier l'inversion, posez la question, comment puis-je observer plus profondément? Maintenant, nous avons la carte Reine de coupe, carte de cour. Alors, voici la reine de coupe. Alors, la force réside dans la vulnérabilité, un flux constant de possibilités. Consoler autrui est une charmante qualité. Remplissez votre coupe, buvez à satiété. La carte de reine de coupe apparaît comme un mirage au pied d'une cascade forestière. Au sein d'une clairière secrète. Elle est l'essence créatrice de l'eau. Vous la trouverez dans les puits du printemps et dans les rivières d'été. Elle se prélasse en bordure des océans, sur les plages. La reine de coupe rend la vie possible grâce à ses eaux frémissantes au pouvoir de guérison. Elle plonge la pointe du pied dans un bassin calme d'eau, aussi verte qu'un crocodile. Les poissons, les grenouilles et toute la nature se rassemblent autour d'elle lorsqu'elle les honore de sa présence envoûtante. C'est la plus bienveillante de toutes les reines. Elle est dotée du pouvoir de compréhension et d'une profonde empathie. Elle s'adonne au partage des émotions sans jugement. En tant que guérisseuse de la nature, il n'y a pas un seul animal, un seul végétal ou un seul minéral envers lequel ne puisse faire preuve d'empathie et de compassion. Elle respecte l'intégrité de tous en permettant à chacun d'être lui-même. Pardon. La reine de coupe représente un espace à la limite du perceptible d'où jaillissent les potentiels. Ses cheveux se transforment en eau alors qu'elle contemple un calice somptueusement décoré. Elle écoute et éprouve la coupe contient. Elle comprend toutes les créatures et leurs témoins. Elle ressent ce qu'elles ressentent et voit ce qu'elles voient sans les juger. Donc là, nous l'avions à l'endroit. Une attitude de compassion, de compréhension et d'empathie est nécessaire pour aller au cœur de la situation. Devenir un réceptacle émotionnel pour les autres tout en rétablissant les limites de protection autour de soi. Maîtrisez votre propre état émotionnel, atteignez les sommets. À l'envers, émotion désordonnée, accès de colère, errance émotionnelle, manquez d'établir des limites par rapport aux autres, crise immature de colère et tendance à la codépendance. Afin d'être une reine, vous devez reprendre le contrôle.
Pour rectifier l'inversion, posez la question: comment puis-je mieux écouter? Voilà, bah j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'étais très heureuse de vous présenter ce jeu. Je le trouve splendide. Ça, je le redis, je l'ai dit et je le redis, celui-là et les sœurs sorcières, je les trouve vraiment magnifiques. Après, il y a d'autres jeux aussi que j'ai achetés que j'aime beaucoup, comme l'oracle de la musique et l'oracle du beau peuple, si je dis pas de bêtises, ouais. J'aime beaucoup aussi. Et donc, voilà, j'aime assez. Il y a quand même un résumé de la carte, mais qui pourrait sonner en nous. On pourrait faire le lien, en fait, entre le descriptif de la carte et ce qu'on vit. Donc, moi, j'aime beaucoup ce jeu. Franchement, je ne le regrette pas. Je ne regrette pas de l'avoir acheté. Il fera partie de ma collection. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça me ferait plaisir, un petit pouce pour me signaler que vous avez aimé ma vidéo. Un petit commentaire, pourquoi pas. Et vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.